c'est grâce à The Voice Kids que je suis dans Martin et les Fées. J'ai été déjà, on peut dire, remarquée sur un réseau social, Facebook, voilà. Donc j'avais ma enfin, j'ai ma page officielle, donc on m'a convoquée là et tout est parti, surtout de The Voice Kids. Martin est un garçon qui est handicapé, qui se fait harceler à l'école. Donc, et puis, il sort de l'école tout énervé, furieux, et il shoote dans un vieux réveil, en fait. Et il sort une fée, enfin une bille, et dans la bille, il y a une fée. Et la fée raconte son histoire, et puis voilà, l'histoire continue, enfin l'histoire commence. Pour l'instant, non, puisque je suis mineure, en fait. Mineure dit école, et donc tournée, ouais, ça serait sympa, puisque voilà, c'est beau de faire une tournée. On peut dire on présente ce projet au public, on le joue sur scène. Mais bon, j'ai l'école aussi, donc ça sera difficile pour moi de jouer en tournée, mais si Dieu le veut, ça serait bien de faire une tournée, voilà. I pray you'll be our eyes and watch us where we go. Vraiment, elle a une très 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 belle voix. Ouais. Moi, dès que je l'ai vue, j'étais touchée, puisque c'est beau les paroles qu'elle a dit. Je crois qu'elle a dit on est pas obligé de voir pour ressentir les émotions quand on chante. C'est quand on chante, c'est des vibrations. C'est voilà, c'est. Ça résonne dans tout. Non, malheureusement, non. Je n'ai pas de contact. Ah ouais, ah, ça serait bien. Hein. Ça serait bien. Ok, bah, je savais pas. Ouais. Mais bah, c'est bien de changer un peu d'artiste, de rencontrer, voilà, comme encore une fois, de rencontrer d'autres artistes. C'est très bien. Ouais.